Voici vos prévisions météo pour ce samedi 9 novembre, courte mais belle accalmie. Au petit matin, le temps est couvert mais le passage perturbé s'évacue rapidement aux premières heures du jour. Les derniers flocons descendent en fin d'épisode vers 1600-1800 mètres. Ce dernier aura donné environ 10 à 20 cm de neige en haute montagne, le haut de la fourchette sur le haut relief des Écrins. D'assez larges éclaircies font leur retour dans l'après-midi dans une atmosphère un peu rafraîchie. Un nouvel épisode perturbé arrive à nouveau par l'ouest en fin de nuit suivante. Neige en moyenne montagne des 1200 mètres environ. Les températures sont en baisse, maximale de 9 à 14 degrés en vallée et 4 à 5 degrés à 2000 mètres. Pour demain, dimanche 10, c'est neige en moyenne montagne. Le temps est maussade en matinée, pluie en basse vallée et neige au-dessus de 1200 mètres environ, temporairement vers 1500 mètres en journée. Le mauvais temps ne s'évacue qu'en cours d'après-midi. L'activité de la perturbation s'annonce plus importante que sa devancière. Elle peut donner jusqu'à 10-20 cm de neige au-dessus de 1500-1800 mètres sur le nord des Hautes-Alpes, 20 à 40 cm sur le massif des Écrins au-dessus de 2000 mètres. Des éclaircies font leur retour en toute fin de journée, température avec peu d'amplitude en haute vallée, maximale autour de 2 à 4 degrés et 9 à 10 degrés à la Ragne ou Gap. Pour lundi, c'est une journée ensoleillée, le flux s'oriente au secteur nord. Lundi, la journée est très ensoleillée, quoique un peu fraîche, surtout en matinée. Le vent est fort dans la vallée de la Guisane, sur le Buëch et le Champsaur. Température maximale stagnant vers 4 à 8 degrés en haute vallée, vers 1200 mètres, et 9 à 12 degrés d'Embrun à Ribier. Plus de prévisions météo sur le www.dici.fm.